La ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Barka Bouaïda, a reçu mardi M. Sungala Apollinaire Ouattara, président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Je saisis aussi l'occasion pour saluer le rôle du Burkina Faso dans la gestion de la crise sahélo-saharienne. Et à ce niveau-là, il y a aussi une collaboration entre le Maroc et le Burkina Faso pour atteindre les mêmes objectifs, qui sont des objectifs de stabilisation de la région et de développement de la région. C'était aussi l'occasion pour nous de revenir sur les acquis et les réalisations au niveau du partenariat entre le Maroc et le Burkina Faso. Et c'était aussi l'occasion peut-être de proposer la tenue d'un premier forum économique entre nos deux pays, pourquoi pas bientôt à Ouagadougou. La coopération entre le Maroc et le Burkina est aujourd'hui exemplaire, très dynamique. Elle est portée au plus haut niveau par Sa Majesté le roi Mohamed VI et par Son Excellence Monsieur le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Blaise Compaoré. Alors, il était normal que, au niveau institutionnel, au niveau des parlements, que nous puissions soutenir cette diplomatie officielle. Parce qu'au niveau de nos deux parlements, nous avons de très bonnes relations au niveau bilatéral et également au niveau multilatéral. Cette entrevue a constitué une occasion de se féliciter de l'excellence des relations bilatérales, empreintes d'amitié et de solidarité, et de mettre en exergue la volonté commune de développer davantage la coopération bilatérale.